Bonjour et bienvenue dans Owen Life. Et oui, encore une fois, aujourd'hui il pleut. Et qui dit pluie, dit maladie. Mais ça tombe plutôt bien, puisqu'on voulait vous parler aujourd'hui de la pousse de la vigne et aussi et surtout de la maladie. Allez, on y va. Car c'est vrai que pour le moment, 2012 est une année très très humide, donc favorisant les maladies. Les maladies que sont le mildiou et l'oïdium, qui peuvent nous provoquer d'importants dégâts. Pour lutter, nous avons les traitements phytosanitaires, mais aussi et surtout les mesures prophylactiques. Ça veut dire les actions de prévention, que peuvent être l'épillonnage, l'effeuillage, l'essaimage. Commençons par l'épillonnage, comme l'on dit chez nous, ou plutôt la suppression des pillous. L'objectif est tout simple, celui de supprimer tous ces rameaux secondaires, appelés aussi entrecœurs, qui poussent sur les rameaux principaux. Ceci nous permet d'aérer cette zone, la zone des grappes, pour ainsi limiter la propagation des maladies. Même chose avec les feuillages. On arrache les feuilles situées près des grappes, ce qui nous permet de laisser entrer le soleil et l'air pour assécher toute cette zone. On aura ainsi un milieu beaucoup moins humide et donc beaucoup moins propice aux maladies. En général, on effectue plutôt les feuillages au mois d'août, mais cette année, nous avons décidé d'effeuiller en même temps que ce qu'on épillonne à cause du temps très humide de cette année 2012. Et nous devrons aussi, jusqu'au vendange, maîtriser la pousse de la vigne en cisaillant pour les vignes sur échalas. Ou en essaimant, un peu comme chez le coiffeur, on coupe tout ce qui dépasse. Voilà, cet épisode conclut la série des travaux en verre réalisés de mai en août. Et nous verrons la prochaine fois le résultat de tout ce travail. Et nous verrons aussi les différents terroirs qui composent le domaine et ce que nous pouvons attendre d'eux pour le prochain millésime qui s'approche. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un prochain épisode de One Life. Ah, j'oubliais, www.oneknife.com.